Hey, salut, un petit peu en retard, mais c'est parti pour du Horizon Zero Dawn jusque minuit. Alors, on va beaucoup se balader, et puis on va faire un peu d'histoire de temps en temps. Continuer. Il va nous falloir une monture déjà. Fait un petit peu de la merde mon micro, non, ça y est. Parce qu'on va on va aller un peu en arrière, récupérer des trucs, aller revisiter des choses. Mais d'abord, il va me falloir un cheval, parce qu'on m'a piqué le mien la dernière fois. Enfin, la quête, elle a cancellé mon cheval. Je suis tristesse. Le premier loading. Toujours un petit peu long, hein. Bon, nous sommes ici. Oh là. Il n'y a plus de trucs à. Non, pas du tout ça. Ça y est, je sais déjà plus c'est quoi les touches. Ah, c'est bien. On va pouvoir. Non, pas ça. Des trucs à soigner. Donne-moi des trucs à se soigner. Attends, l'esquive, c'était quoi? C'était ça. Ça c'était quoi ça de nouveau? Se baisser, sauter, je sais pas quoi, viser, taper et la roue. Bon. Là, je peux plus crafter. Je peux crafter. Voilà. Alors, des moches. Loin, pas des galopeurs plus près, c'est des galopeurs ça, non? Ouais, ça a la même tronche, ça doit être des galopeurs. Ouais, la recherche des commandes. Non, mais on va visiter les vieux trucs comme je disais, parce que Valokar il a dit déjà faut aller faire, faut aller dans la truc où on est tombé quand on était gamin. Alors je sais plus c'est où, il va falloir retrouver. Et puis il faut aussi aller voir la tombe du père quand même, hein, enfin du vieux. Puis on va aller récupérer toutes les merdes là, les trucs là, tout le merdier là. Et on peut aussi aller dans la. Buako m'a dit qu'on pouvait aller faire la quête. On pouvait commencer la quête de l'armure. C'est pas parce qu'il est marqué niveau 24. Non, arrête! C'est pas parce qu'il est marqué niveau 24 que c'est passé niveau 24. Ça doit être le total de la quête qui est niveau 24. Je meurs si je saute là? Bon, ça va, elle a sauté gentil. Que je veux de ça, moi. Non, pas ça. Non, mais des fleurs qui donnent de. Voilà, de ça. Je vais avoir besoin de soins. Alors. Ça m'aidera. Bon, et je vais pas du tout là où sont mes galopeurs que je viens de marquer. Hein. Mais tout va bien. Il est où mon repère? Là-bas. Bah oui, je suis à peine 12, mais même dans la grotte, en fait, il n'y a rien. C'est juste que niveau 24, ça doit être pour les derniers trucs à choper. Et c'est un peu mal foutu. Donc on m'a dit, vas-y, c'est safe. Il se passe rien. Donc on va y aller. Pas un petit poisson là à pêcher? Ah, des petits poissons à pêcher. Ah, j'aurais dû marquer. Mais reviens le poisson! Ah putain, le poisson il se barre. Voilà.
les galopeurs, c'est pas là. Non, parce que comme on va beaucoup se balader, il me faudrait une monture. Sinon, on va galérer. Pour un remède traditionnel. Ah, ça y est, c'est bon. Je suis à fond dans la vie. Quand même faire gaffe. C'est un superbe demi-tournant loup. C'est la cabane de Jean-Michel. Ah, voilà. Pour l'instant, les animaux, on s'en fout. Hein. Moi, c'est les galopeurs que je veux. Là-bas. Bon, on va éviter de s'y reprendre à 25 exemplaires. À 25 fois. Je sais pas pourquoi je dis exemplaires, mais bon. Voilà. Ah, mais en plus il se met à pleuvoir. Ouais, le courant est bien fait mais il est un peu chiantos. On va essayer de... Vas-y, viens par là. Bien, il est venu tout seul, c'est cool. Allez, Zardy. Bon, alors maintenant, faut aller où? Alors, attends, on va aller. Je pourrais mettre un repère, mais un repère route. Bon, ça va falloir aller jusque là. J'ai aucune idée d'où il est. Et je veux pas aller voir les charognards. Hein. Où est la grotte quand on était gosse? Putain, j'en ai aucune idée. On va faire les trucs, on va remonter au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on est où? Centré sur Aloy. Voilà, on est là. On va déjà faire ça. Le projecteur. La quête, je vois bien que tu dégages mon machin là. Merci. C'est un vrai feu de camp ça, je l'ai déjà eu celui-là. J'ai déjà eu. Putain, on voit que dalle. Et c'est les charognards, génial. Faut que j'aille par où? En plus, faut que j'aille par là. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont pas me voir. Lui et moi. Je vais garer Jean-Michel ici. Reste là. Ah, c'est ta piste. Et où le marqueur? Moi, je suis en plein dedans, quoi. Alors, nous cherchons un projecteur. Ok. Bon, un projecteur. Comment je vais trouver un projecteur là-dedans? Parfait, ils repartent. Mais c'est le Jean-Michel que j'avais fait la dernière fois, ça, non? Ouais. Je trouve un projecteur là-dedans. Des poissons.
Je peux m'en sortir. Ouais, bon. Ouais, bon, la piste, on s'en fout. Putain, mais avec ce temps de merde, je vois rien en plus. Il y a des briantiques là-bas, on va aller voir. C'est ce que je cherche, mais. Wow, qui c'est qui me voit là? Des charognards encore? Ah, bon, il voit plus clair. En plus, c'est là où je suis monté pour monter sur Jean-Michel. Je dois être hors de danger. Alors il y a tout le truc du monde, mais il n'y a pas mon début antique. Bon, je suis vachement loin quand même. C'est plus... enfin je sais pas. Plus par là. Ok, plus par là, a priori. Passe pas, passe pas. Oui, des traces. C'est ça que je veux faire gaffe, moi. Il y a des saloperies. On passait déjà 10 minutes à chercher le truc. Hein. Ah, pas ça? Ah ben voilà. Il se passe plein de choses, on sait pas. Ok. Non, c'était peut-être pas ça. Ouais, je sais, mais c'est bon, je l'ai récupéré, mais c'est pas celui-là en fait. Moi, c'est un projecteur que je cherche. Oh là là! Où es-tu? Je suis sûr qu'il est là-haut. Faut pas m'emmerder. Par contre, je sais pas comment on monte là-haut. Moi. Ah oui, on monte pas. Hein. Si, il faut arriver à monter par là. Non, pas par là. Ouh, la caméra elle est vachement pète là. C'est chiant. Je suis sûr qu'on peut monter, il y a des... Voilà.
Ensuite, on peut soit sauter en face. Mon cheval, c'est mon cheval. Là, il n'y a pas de truc pour s'accrocher. On peut tenter le jump en face, mais je le sens moyen. Oh, c'est bon, ça passe. Saloperie en bas. Je trouve c'est pas du tout là qu'il faut aller. Pas monter là-haut. Est-ce que je peux aller en face? Oh putain. Ça va être casse-gueule si j'essaye de sauter. On va monter là, hein. Non. Ta 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 ta. Il est quand même là-haut le repère de merde. Hein. Je sais pas pourquoi si c'est normal qu'il soit là-haut là-haut, mais. Même pas à voir comment on pourrait monter. Peut-être par là, mais. Putain. Par contre, là, elle veut pas monter. Hein. Pas de truc. Ah, j'ai glissé. Ah bah c'est malin. On va monter plus facilement. Forcément quelque chose si on nous autorise à monter là. Ah, j'ai pas vu ça. Ah tout de suite ça va mieux. On a bien fait de glisser. Glisse pas. Oh, tout de suite, quand tu trouves les prises, ça va vachement mieux. Ah. Non, une caisse. Mais. Bah voilà, un projecteur, il était là. Waouh! Ah oui, c'est ça que Valokar disait. On voit comment c'était avant. D'accord, donc là on a des vieux bâtiments. Pèlerinage apocalymerdique jour 4. Dire que c'était le siège de métallurgique internationale ici, dans ce vieux ziggurat miteux. Le bureau de Wyatt était au dernier étage. Si Métallurgique avait une politique sur les romances de bureau, il l'a probablement écrite. C'est bon. C'est bon. Bon, bah on va descendre. Sauti, on va pas louper la descente en rappel. Cheval, t'es où? Il a l'air d'avoir un petit peu de mal à venir. Allez, tu peux le faire. Non, bon, bah, j'arrive. Ah, quoique, il va refaire le tour. Bon, j'arrive.
Alors, next objectif. Alors, attends, on va aller choper le truc de la quête. Là. C'est où par rapport au chemin? Arrête d'avancer. C'est à côté de l'autre. Ah oui, voilà, c'est à côté de la fleur de métal. On s'en fera la fleur après. Il y a un autre truc qu'on sait pas. La sortie. Oui, bah, barrez-vous les mecs. J'ai pas le temps de m'occuper de vous. Je suis même pas sûr d'être sur le bon chemin. Un Dancy. Oh putain, barrez-vous! Ok, j'ai croisé un Dancy, mais il m'a pas vu, c'est bon. C'est où le chemin? Par là. Ah, je suis déjà là, d'accord. C'était rapide. Bon, attends-moi là. Oh, de la viande gratos, moi je prends. Hein. Si je pouvais récupérer mes flèches. Alors ça a l'air sympa, mais ça a l'air très... très dans le vide. On va essayer de trouver l'entrée, hein. Genre là. Bah, voilà quoi, je sais pas trop où. C'est un galopeur, mais c'est pas le mien. Comment on descend ici de manière safe? Par là? Je me demande ce qu'il y a là-dessous. Tu veux vraiment sauter là? C'est quoi le point de machin? Non, parce que bon, ça se trouve, il y a un truc à faire. Oui, une entrée plus safe. Ou par exemple, il y a un feu pour pouvoir aller sauvegarder. Accessoirement. On peut aller faire de la merde. Il y a un truc là-bas. Où est-ce qu'il m'a dit que l'entrée, lui? Il indique pas trop. Hein. Bon, on a sauvegardé, on va tenter le plongeon. Mais il est très drôle, lui. Ah oui, c'est la carte du plan, super. Bon, allez, on plonge. Wouhou! Bon, j'avais pas d'ennemis. Peut-être pas rester dans l'eau, on sait pas ce qu'on pourrait y trouver.
Ça, c'est la fleur. Des fleurs de métal? Pourquoi pas? Je sais pas c'est quoi ces fleurs de métal, mais bon. Il y a des bouts de code chelous. C'est une ruine safe ou une ruine pas safe? Une lumière rouge, impossible d'entrer. La dernière fois que j'ai vu ça, j'étais toute petite. Il n'y a pas de batterie dans ces appareils. Il faut que je trouve des batteries pour les faire fonctionner. Voilà, ça rentre. Je dois encore en placer une. Ok. Alors, on va voir là-bas ce qui se passe. Ah oui, c'est pour rentrer là-dedans, d'accord. Ah oui. Alors c'est ça l'armure qu'on va pouvoir choper. Ça a l'air très très bizarre hein, quand même. Hein. Une armure du temps des anciens. Comment l'atteindre? C'est Robocop quoi. Ok, bon, on a fait le tour. Hein. Et comment on ressort? Non, parce que j'ai plongé pour... Ah, peut-être par là. Non, c'est pas là, c'est par là où j'arrive, non. Ouais. Non, parce que bon... vous êtes marrant avec votre truc, mais... Moi, il n'y avait pas de sortie par là où je suis passé. Hein. Je crois que les anciens utilisaient ces nombres pour indiquer le temps. D'accord. Ouais, bon, essayons d'aller retrouver la sortie. Oh, on va peut-être pouvoir grimper en fait. Et il est au chemin. Faire sécher mes bottes. Fleurs. Que d'humour. Comment je monte? Par cette chose là. Non, alors il doit y avoir un truc pour faire grimper ici. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Oh, maintenant qu'on est deux. Nuit, c'est génial. Oui, enfin, non, c'est bon. Arrête de boire. On va grimper comme ça, puis on va descendre par là. Mais si, allez, saute. Allez, tu peux sauter. Il peut pas. Hein. Ah, c'est genre. On se cassera pas la gueule. Hein. Non, pas là-dedans. Pas dans la grotte. Allez, monte par là. Voilà. On va essayer de trouver un moyen de descendre sans que tu te casses la gueule. Ah, oh, je crois qu'on est mal barré.
Si, si, tu peux y aller là. Bon, je vais descendre toute seule et je vais t'appeler. Allez, viens. Ça décide de me casser les burnes, hein. Bon, je ramasse des fleurs le temps que t'arrives, hein. Il est où le lapin? Bah allez, t'arrives à descendre là. Mais il y a 3 cm à sauter. Oh, le cheval qui casse les couilles. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Regarde par là. C'est pas où là? Oh, les machines à la con, quoi. Pour remonter, je vais en chier. Voilà. Allez, viens. Je vais t'emmener, on va trouver un chemin. Hop. Voilà, tu vois, c'était pas compliqué, il suffisait tout le tour par là. Bon. Donc. On va aller là, chercher la fleur de métal. Il n'y en a pas tellement des trucs, en fait. C'est quoi cette chose? Des marqueurs, je les trouve pas super engageants quand même. Hein. Il fait toujours nuit dans ce jeu. Il y a une fleur ici. C'est assez large quand même, mais ouais, genre là. Ça c'est pas banal. Enfin, j'espère qu'ils nous l'expliqueront quand on aura tout trouvé, hein. Hop, suivant. Continuons de descendre. On va aller chercher le projecteur là. D'aggro, c'est pas le moment. Elle est massive. Merde, je vais par où là? C'est pas du tout par là. Je traverse. Mais ça recommence. De quoi? C'est bon, y'a plus personne là. Oh.
suis en plein dessus. Donc on cherche un projecteur, encore, donc en hauteur. En général. Genre là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? De nuit, ça va être trop bien. Un projecteur, encore des ruines et des histoires. Raconte-moi une histoire. Ah, il y a plein de boîtes de ravitaillement à ouvrir. Alors, le premier projecteur qu'on a fait, on l'a un peu foiré, hein, parce qu'on sait pas ce qui s'est passé au final. Alors, dans la vallée. Putain, pourquoi c'est tout rouge? Pèlerinage apocalypse merdique, jour 2. Mon père a donné un cours ici. Histoire militaire sur l'ère de la puissance aérienne humaine. Un sujet autant d'actualité que les tactiques de siège médiéval. J'avais 8 ans quand il est mort. D'accord, c'était ici. Oui, c'est quoi les schpoons là-bas? Ah, c'est des corrompus. Ouais, bon, on va les laisser un peu tranquille. Hein. Ah, mais ça doit être ça en fait, des corrompus. Berceau de la mer. Mais on n'est pas déjà allé au berceau de la mer. Mais si, c'est par là où on est rentré. Ok. Si, non. Ah, si, j'ai mis le feu. Bon, on va aller chercher la fleur ici. Sauter dessus, je casse moi. Alors, pour trouver la route. Côté du chemin, là. Ouais, mais c'est bon, c'est un peu de cailloux. J'espère qu'ils vont pas trop criser à la porte parce que je reviens avec une bestiole. Là. Tu veux encore parler? Non, c'est bon. Mais t'étais pas avec ta mère il y a 30 secondes, toi? Que la déesse te protège. T'es censé être là-bas, là, dans l'histoire, pas ici. Peut-être pas y aller par l'eau. Alors tout droit, à gauche et à droite. Prochain carrefour. Ouh, GPS. Carrefour à gauche, par là. Puis après, il faudra traverser le pont à droite. Puis ensuite, on coupe. Animal sauvage tué. Ah, ça, je crois que j'ai écrasé un truc. Alors, la fleur. Un truc violet dans le coin. Ah non, bah non, pas le lever de soleil, là je vais plus voir les trucs violets. Ah, les ruines. C'est pas celle que quand j'étais petit, te. Ah ouais. Ça fait des années que j'ai pas mis les pieds ici. On les a retrouvés. Je me demande ce que je vais trouver. Alors on va déjà faire ce côté. Non mais même pas peur.
Barrez-vous. J'arrive par là, donc il n'y avait rien des deux côtés. On va peut-être pas tuer les rats. Hein. Pas que ça va foutre. Pour l'instant, il n'y a rien de neuf. Par là, mais j'ai déjà l'autre problème, je comprends plus rien à la map. Où sur la map là, mais j'ai pas fait le côté bleu là-bas. Il faut qu'on y aille. Elle bronche pas hein, quand elle voit des chauves-souris. Hein. Ah, attends, parce qu'il y a un truc en bas, j'ai pas regardé. Hein. Peut-être quelque chose. Là. Oh, il y a un truc. Oh, il y a la fleur. Comment on y va? Comme ça. J'ai trouvé comment on y va. Ah bah si on peut ouvrir les trucs comme ça, c'est bon à savoir. Donc maintenant qu'on a la fleur. Bon. Passez-vous là, c'est chiant. Ça y est, je suis au-dessus. Ah, comment on change d'étage? Ah, comme ça. D'accord. Ah oui, on peut redescendre par là pour aller de l'autre côté, d'accord. Peut-être. C'est un peu le bordel. Il va falloir fouiller, mais fouiller correctement. J'aurais dû prendre un chariot. Ah ouais, moi je récupère plein de choses. Ça a monté tout à l'heure. Non mais on monte pas sur les ordi, voyons. Cadavre de la dernière fois. Ok, j'ai pris un petit raccourci. Ce qui est pas génial quand on fouille.
une zone là-bas. Je me demande si je peux y accéder maintenant que j'ai grandi. Tu veux dire ça ? Mais attends, c'est quoi ce machin là ? Audio. Ah. Madame la directrice, message prioritaire du CCR, cryptage quartz noir. Vous pouvez visionner le message sur votre hologramme. Ok. Madame la directrice, oui, message ça, prioritaire compris. Du CCR, cryptage quartz noir. Vous pouvez visionner le message sur votre hologramme. Est-ce que je suis sur la map là ? Là-bas, d'accord. C'est déjà plein. Oui, je sais, les potions de soins, j'en ai déjà trop. Une batterie. Une autre batterie. Ça va m'aider à récupérer cette vieille armure. D'accord, les mecs ils sont tous suicidés. Super, c'est joyeux. Donc là c'est tout, on a tout eu. Pas de truc nouveau, non. Alors. Pourquoi il veut me montrer ça là ? Non, ça c'est mon drapeau, on s'en fout. Le drapeau, il n'y a plus besoin. Va-t'en le drapeau. Voilà, tu me troubles. C'est le chemin là ? Je ne sais pas. Je descends, d'accord, on va redescendre. De l'autre côté, là où j'étais pas tout à l'heure. Bah si. Non. Quoi ? Ah ça c'est joyeux anniversaire machin, on s'en fout, moi je l'ai vu. Ça manquait un peu de son là. D'accord, on est de ce côté. Bon bah c'est bien, on va tout faire. Alignés dans la salle commune. Comme du bétail dans un abattoir, mais ils se souriaient tous.
Shanna distribuait des médicaments. Comme si vivre était une souffrance à apaiser. Mais pas pour moi. Je refuse de me taire. Je ne veux pas m'évaporer. Je veux un point final au terme de ma vie, pas des points de suspension. Non, un point d'exclamation même. Alors si ça dérange celui qui trouvera ceci, ben tant pis. Je dois plus rien à personne. Depuis longtemps. D'accord. C'est joyeux. Le suicide. Ah, on sait pas. Il y a pas la date. Ok, bon, on a fait le tour. Tour de là, en tout cas. On est où là? De ce côté, d'accord. Ah. Non mais franchement, enregistrez nos pensées pour la postérité. Excellente idée, madame la directrice. Comme si j'en avais pas déjà assez fait pour la postérité. Comme si je serais là, comme ça, si c'était pas pour la postérité. Alors, la postérité, elle peut aller se faire. Ok. Plus vite. Bien, c'est joyeux tout ça. Ah, encore un mort, super. Allez, c'est parti. Il y a que des morts ici, hein. C'est... on s'éclate. Hein. J'ai peut-être pas besoin d'autre chose en fait. Quand la porte s'est ouverte et que je t'ai vu, là dans ta robe vintage, un sourire sur ton visage, j'ai préféré tourner la tête pour pas que tu me vois. Ton visage. Salut Marie.
l'as vu, toi ? Il est Machu Picchu. J'ai toujours voulu le voir. Je l'ai jamais fait. J'aurais dû accompagner Owen quand il me l'a proposé. Ouais. J'aurais carrément dû. Bref. Eh, sorti de la grotte. Ouf. Ah bah t'es là. Bon, alors attends, qu'est-ce qu'on a looté là dans ce bordel? Ok. Double tir, triple tir. Oh, c'est bien ça. Il n'y aurait même plus besoin de pirater des montures. Je sais pas, non, il n'y a pas eu de... Ah oui, c'est un petit peu droppé. Bon, alors maintenant la tombe du vieux. Alors là, c'est une bonne question. Je dirais par là, mais je suis pas sûr. Après, il faudra aller par là-bas, mais... Ah oui, je voulais voir s'il n'y avait pas des trucs à crafter. Ah, sacoche d'armes. Ouais, mais ça, c'est pas attendre un peu. Ah. Munitions pour fonde. Bon, allez. Bonjour Jean-Michel. Tu m'as déjà filé tes trucs gratos, toi? Oui. Je suis tristesse. Je vais continuer à pied. Oh, tout de suite. Ah, oh, ils ont bloqué les portes. Les portes sont bloquées par ordre de Rech. Je suis une chercheuse, je vais où je veux. Rech, t'en fais. Aucune exception. Oh, je commence à en avoir marre. Ta gueule. D'accord, donc ça c'est ici le village qui s'est fait attaquer. Donc je dirais que bon, on va aller voir ça là-bas et puis peut-être on tombera vers le feu chez la tombe de Jean-Michel, là, je sais plus comment il s'appelle. Je vais sauvegarder ici. On va voir les sommes après des échos rouges. Alors attends, parce que c'est par là-bas qu'il faut qu'on aille. Est-ce qu'il y a une route pas de ce côté? Non, faut que je traverse. C'est une route ça? Qui c'est qui a bu et qui a fait cette route? Il faudrait que je monte. Ah, c'est peut-être ça le camp tout en haut. C'est là chez nous. Il faut
faut que je prenne la route à droite là. Oh putain. Non, va par là. Ah, puis Jean-Michel il va pouvoir descendre là. Saute. Merci. Je me souviens, on avait fait des trucs ici, mais je sais plus quoi. C'est là la route? Oui, c'est là. Hop. Qui est d'habiter en montagne? Mais là, je suis en train de me barrer. Ah oui, non, c'est bon. Quoique. Ah, mais il y a une route qui va par là. Ah, c'est peut-être pas par là, alors. Ah, si, si, ça, c'est la tombe. Ça se voit. À l'icône, ça se voit. Chez moi. Il a construit tout ça. Tout seul. Tellement de souvenirs. Ce n'est plus chez moi. Pas sans Rost. Il n'y a plus rien pour moi par ici. Rost. Je pouvais pas quitter les terres sacrées sans venir te voir. Quand on s'est dit au revoir, je t'ai dit que je te retrouverais. Où que tu ailles. Mais finalement, t'as trouvé un endroit où je peux pas te suivre. Petit chenapan, va. J'aurais dû me douter que tu regarderais. L'éclosion. Pour veiller sur moi. Que tu serais là quand les autres me lâcheraient. Comme toujours. Une dernière fois. Merci, Rost. Je ne gâcherai pas ce que tu m'as donné. Je te le promets. Tu seras fier de moi. J'ai essayé de comprendre, mais ça n'a pas de sens. Les tueurs s'en sont pris à moi parce que je ressemble à cette femme, plus vieille, aux cheveux courts. Mais pourquoi? Quel est le lien avec moi? Si c'est ma mère, elle a pas l'air d'une Nora. Si elle vit à l'intérieur de la montagne, comment les tueurs connaissent son existence? Plus j'en découvre, moins je comprends. Je dois retrouver Olin, un étranger. Il était au festival, le soir avant l'éclosion. Je sais pas comment, mais les tueurs m'ont vu par son focus. Il le savait. Il aurait pu me prévenir. Quand je le retrouverai, il va me raconter tout ce qu'il sait. Et il va payer. Bon, je vais devoir y aller. Un truc à chercher dans la montagne. Bon, on va faire un coup de VOD.